je suis André Jeunin, je suis accompagnateur en montagne et moniteur de VTT sur la vallée de l'Arve. Je suis originaire de la région, mes parents étaient sur Mieuxcy et sont installés à Thiers. Et puis naturellement, je me suis tourné vers les métiers de la montagne, hein, pour faire découvrir justement ces très beaux milieux. On peut très bien en quelques minutes passer d'un plan d'eau à un sommet. Voilà, donc ça c'est une diversité, on parle d'écosystème et je trouve que c'est vraiment très riche. Et j'ai vraiment plaisir déjà à les contempler, mais également à les faire découvrir, à transmettre justement hein, toutes ces notions, ces connaissances qu'on peut avoir sur ces milieux. Alors, au niveau de la clientèle, effectivement, j'ai le plaisir de côtoyer différentes clientèles. Ça va aussi bien des jeunes publics, les scolaires, les centres de loisirs, jusqu'aux entreprises. Voilà, un panel qui est très très large. Les demandes sont différentes et ce qu'ils cherchent vraiment maintenant, c'est à se reconnecter à la nature. Voilà, donc ils sont vraiment plus attentifs, plus demandeurs et bien de cette connaissance auprès de la nature, auprès des milieux, auprès de ces écosystèmes montagnards. Alors en termes de nouveaux projets, voilà, il y a deux choses qui me tiennent vraiment à cœur. Il y a le côté sensibilisation à l'environnement, voilà, transmettre ces bons gestes, hein, cette meilleure connaissance des milieux. Et puis, autre aspect aussi, en tant que moniteur vélo, j'ai vraiment à cœur d'aller un peu plus loin dans ce qu'on propose en termes de mobilité douce. Voilà, amener les gens à utiliser au mieux leur vélo. Alors ça va passer bien sûr par des temps de formation, mais également mettre en place à l'échelle de la vallée des itinérances. Alors itinérance douce, l'idée c'est pas non plus de faire que de l'effort, hein, mais plutôt découvrir. On parle un petit peu de vélo nature, voilà, c'est un petit peu une chose que je souhaite à mettre en place prochainement.